T'es prête? T'es prête? Oui. T'es prête? Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour Sarah. Voilà, Stanislas, vous venez de rentrer dans le top 10 juste avant Roland Garros. Nous, on voulait faire une petite interview top 10. Donc, on voulait savoir si vous étiez dans le top 10 de la PlayStation. Pas loin en tout cas, pas loin. Maintenant, il y en a des bien meilleurs comme Benoît Paire par exemple, qui est très très fort. Je crois que Rafa joue très bien aussi. Ok, merci. Le top 10 des Twitter peut-être? En tout cas, pas les followers, mais celui qui tweet pas mal, oui. J'essaye de régulièrement tweeter des choses un peu différentes, un peu drôles, des photos aussi beaucoup pour donner un peu aux fans. Ok, c'est sympa. Et le top 10 des fêtards? Non. On peut pas tout faire. J'aime bien faire la fête. Quand je la fais à fond, mais pas souvent dans la vie. Vous avez pas des noms, par hasard, de ceux qui sont dans le top 10? Non, on balance pas des noms comme ça. Mais bon, si vous lisez l'équipe du jour, il y a un bel interview dedans. Ok, le top 10 peut-être des casseurs de raquettes? Non, j'en suis loin. J'ai eu cassé quelques raquettes, mais pratiquement plus longtemps. Pratiquement, j'essaye de me retenir, j'essaye de faire autre chose pour évacuer ma frustration. Ok, et au niveau de supporter les autres joueurs, vous situez où dans le top 10 ou... Non, c'est... Je supporte mes potes, ouais, ça c'est clair. Quand je m'entends bien avec quelqu'un, ouais, je suis le premier à le supporter et à être content quand il gagne, ça c'est sûr. Top 10, ah oui, du dépassement de temps au service. Avec la nouvelle règle, on voulait savoir. Avec la nouvelle règle, non. Je me suis bien adapté, je vais même bien plus vite. Après, c'est sûr que j'étais un joueur qui prenait pas mal de temps pour compter les points. J'étais plutôt à prendre trop de temps que pas assez. Mais maintenant, avec cette nouvelle règle, non, j'ai pas eu encore de warning. Ok. Top 10 de la salle de muscu. Salle de muscu, non, parce que musculation pure, j'en fais pas beaucoup par rapport à ma philosophie de mon préparateur physique, mais top 10 des joueurs qui bossent beaucoup, voire le plus, oui, je pense. D'accord. Et top 10 des superstitions, pour finir? Non, pas du tout. Là, je suis hors du top 100. Au contraire, non, j'en ai vraiment aucune et j'essaye de pas en avoir. Ok, ben merci beaucoup. Merci. Bon tournoi quoi. Merci. Bon match. Merci beaucoup.